Comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair. Or, ce septième homme est un cheval avec un homme qui le mène, mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre et rentré du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires. Et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au faîte de son rocher jusqu'à ce que les six hommes aient achevé de cerner complètement les six croix. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son.